La circulation reste fluide. Et enfin, pour finir, notre bulletin de matin, quelques mots sur la météo. Sur la majeure partie du pays, le temps restera stable. On peut s'attendre toutefois à quelques ondées passagères. Oh là là! Quant au sujet, j'avais pas vu l'heure. Toujours Vincent, avec toi. Nos prochaines informations. Reste ce soir tout le monde. Assieds-toi, maman. Passe une bonne journée. Bonne journée, les enfants. Et maintenant. Et travaillez là, bien. Hein? À la musique. Vincent. Oh, il y a pas le feu. Mais tu plaisantes? Allez, remue-toi un peu. Tu vas encore manquer le cours de gym. Oh oui, tu crois? Oui, je crois. Bon, j'y vais. Ouf, encore un départ réussi. Mission accomplie. Bon, passer l'aspirateur, ranger les outils de Benjamin, les jouets de Juliette. Et après, je suis tranquille. Oh non, c'est pas vrai. Mais il le fait exprès. Vincent, c'est quoi ça? Hein? Tu es sûr de ne rien oublier? Oh ben zut, je suis bête, mon sac de gym. Tu exagères, tu me fais le coup toutes les semaines. Ça doit être la couleur qui me plaît pas. Ah, la couleur, tu ne l'avais pas encore faite celle-là. Allez, Lou, attrape. Allez, cours, dépêche-toi. Tu vas être en retard. Figure-toi que toi, si tu agis, moi, je fais ménage ce matin. Et je ne suis pas en avance. Bon courage, maman. Oh, c'est Vincent. Bon, alors, l'aspirateur. Les outils de Benjamin. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. L'appel du vent. C'est toujours pareil. Tout le monde veut des animaux. Mais quand il s'agit de s'en occuper, alors là, c'est toujours la même chose. Il n'y a plus personne. Tout va bien. Vous êtes sûr que ce sera tout? Ah, cette fois tout le monde il est parti, tout le monde il a mangé, tout le monde laisse Brigitte tranquille et tout le monde il est content. Oh, oh il avait un gros chagrin, le pauvre chéri voulait sa maman. Qu'est-ce que tu racontes à ta maman? Viens faire un câlin. Allô? Allô, bonjour Madame Bouchinet. Ici c'est Guichard. Il me faut absolument votre tableau pour demain matin au plus tard. C'est très important. Mais Monsieur Guichard, ce n'est pas possible, voyons. Comment ça, pas possible? Mais je devais vous le rendre seulement la semaine prochaine. Je n'ai fait que l'esquisse. Tais-toi, Antonin. Oh. Allô, allô. Excusez-moi, Monsieur Guichard, mais je dois vous laisser. Alors c'est d'accord, je compte sur vous. À demain. Mais Monsieur Guichard, Monsieur. Dieu qui l'a raccroché. Oh. Voilà, voilà. Bonjour. Oh, enfin. Mademoiselle Meyer. C'est pas trop tôt. Madame Pouchinet, je viens récupérer le livre que je vous ai prêté la semaine dernière. Un livre? Quel livre? Je ne vois pas. Vous savez bien, le livre de cuisine, Maigrir sans manger. Oh. Oui, je vous promets, je vous le rapporte demain matin sans faute. Comptez sur moi, Mademoiselle Meyer. Excusez-moi, mais là, vraiment, je n'ai pas le temps de le chercher. Mais j'en ai besoin maintenant. C'est promis, je vous le rapporte. À demain. Madame Pouchinet, ce n'est vraiment pas possible. Il me le faut maintenant. Je dois le rendre cet après-midi à la bibliothèque pour emprunter le fameux livre du docteur Schiffmoll, Le ménage sans douleur. Je comprends, mais j'ai un travail urgent à finir aujourd'hui. Et voyez. Et pour moi aussi, c'est urgent. Et demain? Non. Bon, entre un instant, passez dans le salon, je vais le chercher. Ah, attendez, gardez-moi Antonin, j'en ai pour 2 minutes. Il m'a fait. Je lui chante quelque chose. Oh, surtout pas, Mademoiselle Meyer, vous allez lui faire peur. Oh. C'est quand même bête, hein. J'ai cherché dans toutes les chambres, même dans celle de Vincent. Et quand vous m'avez dit d'aller voir dans la cuisine, je me suis dit, mais c'est bien sûr, quelle idiote je... Vous savez, Madame Pouchinet, je n'ai aucun mérite. Un livre de cuisine dans une cuisine, c'est tout ce qu'il y a de normal. Vous avez raison. Quand on cherche, on trouve, Mademoiselle Meyer. Mais oui, bah justement, à propos de chercher, si vous retrouviez le faitout que je vous ai prêté pour votre petite fête l'autre soir, vous vous souvenez? Vous ne m'avez même pas invité. Oui, allô? Oui, allô, c'est Guichard. Je vous appelais juste pour savoir si tout allait bien. Oui, tout va très bien. Mais si je n'étais pas dérangée sans arrêt, ça irait. Encore mieux. Au revoir, monsieur Guichard. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Ah, c'est toi, Marie-France, quelle surprise. Quoi, comment ça, quelle surprise? Mais enfin, Brigitte, je t'amène les jumeaux comme on avait convenu, voyons. Mais c'est pas vrai, c'est pas aujourd'hui que je dois les garder. Ça va, madame Pouchinet? Je suis désolée, Marie-France, mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas possible. Oh, ne
t'inquiète pas, ils m'ont promis d'être sage. Mais ce n'est pas ça, je n'ai pas encore fait le ménage, je ne suis pas habillée et en plus j'ai un tableau à finir. Je ne vais pas avoir le temps de m'occuper d'eux. Ce n'est pas un problème, ils savent très bien se débrouiller tout seuls. Et en plus, rien les amuse. Allez, au revoir, à ce soir les enfants. Bonne journée, Brigitte. Dis, Madame Pouchinet, j'ai très faim. Et moi, j'ai très soif. On a faim et soif. Bon, allez, dans la cuisine et regardez ce qu'il y a dans le frigo. Dis, Madame Pouchinet, si tu ne fais rien, il ne va pas s'arrêter tout seul. Quand j'étais bébé, je pleurais jamais. Et moi non plus. C'est ça, les enfants. Et tu sais, on était gentils, nous. Et sages aussi, je suppose. Ah oui, ça, très sage. Tu vas voir, on va te montrer. Allez, où, file à la cuisine. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Oh non, mais enfin. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Dis, Madame Pouchinet, c'est quoi ta chanson? Elle n'est pas classée au top. Vous allez me faire le plaisir de tout ranger. Ah, ça, on ne sait pas le faire. Et puis, tu sais bien que c'est les mamans qui rangent la maison. Mais il fallait me demander ce que vous vouliez. Bah, on voulait pas te déranger, nous. Allez, terminé, dehors. Oh non. Nous, on n'a pas fini de manger. Plus un mot, ne discutez pas. Je vous ai dit de sortir, dehors. Je ne veux plus vous voir. Mais non, monsieur Guichard, je n'ai pas terminé. Je vous appellerai dès que le tableau sera prêt. Bon, voyons les choses en face. Je n'aurai jamais le temps de tout faire aujourd'hui. Bon alors tant pis, puisque c'est comme ça, j'abandonne le ménage, je reste en peignoir et je me consacre à ma peinture. Qu'est-ce que t'en penses, Antonin? Ah, tout de même, vous voilà! On n'est pas pressé chez les Pouchinets. Il ne manquait plus que vous, cher voisin. Je vous signale qu'il y a votre chatte qui est coincée dans mon pommier. Oui, et alors, vos pommes, elle les mangera pas? Venez la faire descendre, moi j'ai essayé. Elle m'écoute pas. Bon, alors, vous allez vous décider, oui ou non? Elle finira bien par descendre. Nous, on ne croit pas. Non, pas vous. Nous, on croit qu'elle a eu très peur. Ah non, vous avez encore joué à un de vos jeux idiots qui est Frigladis? Mais, Madame Pouchinet, pour jouer à la chasse à cour, il faut un gibier. Taillot. Si vous croyez que ça va se passer comme ça, je m'occupe d'Antonin et après, garde taillot, taillot. Il y a plus urgent, il y a votre chatte qui miaule. Et moi, ça me dérange. Alors, faudrait voir à vous muer pour la faire descendre. Bon, ça va, je viens. Toujours pareil, jamais tranquille avec les Pouchinets. Alors, Gonflard, vous voulez vraiment pas monter? Vous voyez bien que je ne peux pas avec le bébé. Non, j'ai le vertige. Oh, mais si vous ne regardez pas en bas, tout ira bien. Mon médecin m'a interdit l'altitude. Et puis, c'est votre chat. Si tu veux, Madame Pouchinet, nous, on peut le faire comme les pompiers. Oh non, hein. Vous deux, vous en avez assez fait comme ça. Ça suffit pour aujourd'hui. Allez, filez. Vous n'allez pas en plus vous casser une jambe. C'est pas marrant. Puisque tu ne veux pas qu'on joue aux pompiers, Madame Pouchinet, nous, on va jouer dans la chambre de Benjamin. On va faire des expériences. Il y a vraiment des fessées qui se perdent. Je vous interdis d'entrer dans la maison. Bon, j'y vais. Madame Pouchinet, je... Les jumeaux, les jumeaux, venez ici. S'il y a trois, vous n'êtes pas là, je raconte tout à votre mère. Bon, attention, je vais compter. Un, deux, deux et demi, deux, trois, quatre. Je ne vous le répéterai pas. 2, 3, 4. Maman! Alors, mes chéris, vous avez été sages aujourd'hui? Bien sûr, maman! Ah, tu es là, Brigitte. Je suis venue te reprendre mes deux petits monstres. Allez, dites au revoir. Au revoir, Madame Pouchinet. Tu sais, on s'est bien amusés. Allons, les enfants, pressons. Oh, désolée, Brigitte, il faut que je me sauve. Je suis très, très pressée. C'est ça. Au revoir, Marie-France. Parce que moi, bien évidemment, j'ai tout mon temps. Et rien à faire de mes journées. Madame Pouchinet, alors ça vient. Ça va, monsieur Gonflard, j'y vais. Gladys, Gladys, Gladys. Et vous, vous faites attention à mes pommes. Oh, Gladys, te voilà. Viens voir, maman. Mais qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Il y a votre bébé qui fuit. C'est rien, il faut juste le changer. Et moi alors, je suis trempé. Voyez-vous, mon cher Gonflard, vous, vous êtes assez grand pour vous changer tout seul. Bon, ça va, descendez maintenant. Tenez, y a... Mon téléphone qui sonne. Bon, ben, allez-y, j'arrive. Bonjour, maman. Déjà vous? Bon, on revient de l'école.
Qu'est-ce que tu nous as fait à goûter? C'est-à-dire... Ouais, super, une surprise. Ouais, on va faire un meilleur goûter. Alors, Madame Pouchinet, dites-moi, est-ce que vous l'avez retrouvé, mon fétou? C'est que j'en ai besoin maintenant. Ça m'apprendra à rendre service. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait que ces manières? Je suis pas en train de... Mes hommages, Madame Meyer. Bonsoir tout le monde. Où es-tu, Brigitte? Ah, tu es là. Eh ben, dis donc, il y a des fois, franchement, c'est relax, une journée de peinture. Hein? Dis donc, tu me demandes même pas si j'ai passé une bonne journée. Alors ça, c'est la meilleure. Oh non! Athlète complet, Pierre est un des champions les plus doués de sa génération. Pierre, quelle est ta passion, Pierre? Gagner, être le premier. Isa, ta passion? Ma passion? La vitesse, la vie. Ernest, l'informatique! Le sport, l'équipe, l'amitié. Ma passion? La gastronomie. Les Ancoriens ne seraient pas là sans leur entraîneur, Monsieur Albert, et sans Floppy, la mascotte Floppy, de l'équipe. Floppy, Floppy. Face à eux, l'équipe du Nézir, la cruelle princesse Ingrid. Il faut se débarrasser définitivement de ces maudits Ancoriens. Le sournois Hubert. Fais-moi confiance, princesse, on les aura. Leur homme de main, l'ignoble Carlo. Fais-moi. Et pour compléter la bande, les financiers entraîneurs, Baden et Baden. C'est la compète que les meilleurs gagnent. Attention, ça va commencer. La compète, il faut la gagner. Tu dois te battre, te dépasser. La descente, tu dois la gagner. C'est le départ, ton cœur bat plus fort. Le moment de donner ton effort. Guérisa, la victoire vous tend les bras. Champion de la glisse, toujours prêt à prendre tous les risques. La victoire, elle est là. Vas-y, fonce, c'est à toi. Tout oublier, un seul but, arriver premier en bas. Quand ça va mal, que rien ne marche, la chance est là pour les aider. La plus haute marche, la médaille d'or. Guérisa, on l'a rêvé. Mais méfiez-vous des tricheurs, des pervers. Pour gagner, c'est sûr, ils vont tout faire. Guérisa, la victoire vous tend les bras. Vous les champions de la glisse, toujours prêts à prendre tous les risques. Mais la victoire, la seule, la vraie, c'est celle de l'amitié. Guérisa, guérisa. La flamme olympique, guérisa, vous allez la porter. Guérisa, guérisa. La victoire, elle est là.
Vas-y, fonce, c'est à toi. Tout oublié, un seul but, arriver premier en bas. Pierre et Isa. Concentre-toi. Position. C'est bon. Nous remercions Ernest de l'équipe d'Encore d'avoir bien voulu venir commenter en direct la séance d'entraînement de son camarade Pierre sur la piste où doit se dérouler dans deux jours l'épreuve de descente homme. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe en ce moment? Avec plaisir. Eh bien, nous contrôlons par télémétrie les différents paramètres techniques pour les comparer au programme préétabli. Vous comprenez certainement que notre but est de réduire le différentiel au maximum. Absolument, c'est évident. Et pour vous permettre d'être véritablement au cœur de l'événement, Pierre a accepté que nous fixions une mini-caméra sur son casque. Il est en super forme, Pierre. Alors qu'il venait d'effectuer un parcours sans faute, Pierre est sorti de la piste sans raison apparente. Cette chute extrêmement spectaculaire, mais apparemment sans gravité, a provoqué une... Nous sommes maintenant en mesure de l'atteindre où et quand nous voulons. Attention, hein, pas d'histoire avec le comité olympique. Soyez sans crainte, messieurs. Cette fois, notre méthode est sûre, efficace et absolument sans danger. Sans danger pour nous, bien sûr. Nous effectuons un dernier essai demain et ensuite... Il ne nous restera plus qu'à choisir le moment propice. Et à moi la médaille d'or de descente. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Tu ne vas pas répéter la même chose toute la soirée. Oh, j'en sais rien, ça marchait super, j'étais en pleine forme, motivé et tout. Et d'un seul coup, c'est comme si quelqu'un d'autre était entré en moi. Plus rien n'avait d'importance. Le sport, les médailles, l'entraînement, l'équipe, et je me suis dit, à quoi ça sert tout ça? Et tu t'es retrouvé assis dans la neige. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas assez concentré. Vous ne voulez pas m'écouter. Le plus important, c'est... La concentration. Tu ne crois quand même pas à ce genre d'idiotie, Marielle? Mais je t'assure, j'étais plus près que toi, et Pierre avait le regard fixe comme s'il était hypnotisé. Il est surmené, c'est tout. Il faut le comprendre, il a roulé à un sacré rythme depuis le début des Jeux. Au village, quand j'étais petite, je me souviens, il y avait une vieille femme. Elle restait quelquefois la bouche ouverte et le regard vide, comme ça. Ma grand-mère disait qu'elle avait été envoûtée. Ridicule. On n'est plus au Moyen-Âge, enfin. On rentre, j'ai faim. 3 heures de poudreuse, j'en ai marre. Rentrez. Moi, je vais étudier la piste de descente encore une fois. Il me faut cette médaille. N'oublie pas, à midi, conférence de presse. Nous attendons avec impatience l'arrivée de Pierre, à qui de nombreuses questions sont certainement destinées. D'ailleurs, le voici.
très souriant, comme à son habitude. Il semble en excellente forme et va pouvoir, nous l'espérons tous, nous rassurer sur son état de santé après son accident d'hier. Rassure-nous. Eh bien, mesdames et messieurs, merci pour l'intérêt que vous portez à notre équipe. Jack Copperman, de Sport et Santé. Pierre, êtes-vous en bonne santé? La question est directe. Je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. Oui. Madame Frey, Snow International, comment expliques-tu ta défaillance liée à l'entraînement? Monsieur Albert, vous le direz mieux que moi. Manque de concentration. Vous êtes donc tout à fait en forme pour aborder la descente de demain? Je suis en parfaite condition physique. Mes camarades m'ont aidé à me préparer à fond pour ces... descentes avec... Pierre! Qu'est-ce qui lui arrive? Cette fois, on le tient. Demain, la piste de descente longe un ravin profond. Et c'est là que nous allons nous débarrasser de lui, définitivement. Vous aurez votre médaille, messieurs. Ça ne sera pas trop tôt. Sur cette piste superbe se déroule l'épreuve de descente homme en parallèle. Une épreuve très spectaculaire inscrite pour la première fois au programme de ces Jeux. Pour cette course, les concurrents tirés au sort vont s'affronter deux à deux dans des duels qui ne manqueront certainement pas d'être passionnants. Bien, j'ai le résultat des tirages. Tu cours contre Hubert. Tant mieux, je suis en super forme. Je vais le laisser sur place, le Nésirien. Qu'est-ce que tu cherches? Il a exactement le même regard que la vieille femme de mon village. Regarde cette raideur cataleptique. J'ai vu ça au cinéma. Tu dérailles, ma vieille. On n'est pas dans un film d'horreur. Oh, arrête. Attends. Recule. Là. Regarde dans le public. Tu vois ce drôle de bonhomme? Là, avec la barbe et les lunettes. On dirait un fakir. Il était aussi à la conférence de presse. Regarde. Qui c'est? C'est peut-être lui qui a hypnotisé Pierre. Hypnotisé ou pas, il faut absolument retrouver ce type. Il a sûrement des choses à nous raconter. Il était à la conférence. Il doit avoir une accréditation officielle de journaliste. Allez, viens, on file au centre de presse. Bien sûr que je le connais. Attendez. Voilà. Ouram Ivanov, chambre 607, sixième étage. Ah, son courrier, là. Il doit encore être chez lui. La première partie de la piste est parfaite. Pierre, vas-y carrément. Mais attention au secteur du ravin. Il est au nord. La couche de verglas est encore épaisse. Ménage-toi, petit. T'as du mal à tenir sur tes cannes en ce moment, on dirait. Suffisamment pour te moucher, crâneur. Attention, je ne voudrais pas t'abîmer. Ta chérie n'est pas là pour te soigner. Laisse tomber, Pierre. C'est pas prudent dans ton état de sortir sans ton infirmière. Elle ne te laisse pas déconcentrer par ce guignol. Il n'y a personne, mademoiselle. Monsieur Ouram est sorti? Mais vous êtes Isa. Je vous admire beaucoup. Vous pouvez me signer un autographe? Ce n'est pas la chambre de monsieur Ivanov Ouram? Ah, mais il ne dort jamais là. Son lit n'est pas défait. Moi, c'est Patrice. Pour Patrice.
On voudrait entrer un instant dans la chambre. Ah non, 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 c'est rigoureusement interdit. Oh, juste pour faire une plaisanterie à un ami. Une plaisanterie? Mm-hmm. D'accord, mais faites vite. Attendez. Merci. Une plaisanterie. Et n'oublie pas, concentre-toi. Pas de danger. Je ne laisserai pas ce sale type me piquer ma médaille. Oh! Abracadabra, Marielle? Qui peut bien se cacher sous ce déguisement? Restante à la fin du contrat. Pas réglo. Et pas attendre ici jusqu'à perpète. Je connais cette voix. Isa n'est pas venue? Elle t'attend sûrement à l'arrivée. Il y a du monde. Les Nésiriens. Regardez bien le ravin. C'est là que vous allez intervenir, Aldo. D'accord, princesse, mais moi, je veux toucher mon fruit maintenant. Aldo, c'est cette canaille d'Aldo Paparazzi. Attention, n'essayez pas de jouer les malins avec moi. Vous toucherez quand Pierre aura été éliminé. C'est bien clair, éliminé. Vous allez vous placer dans le virage. Il faut qu'il reçoive les ondes juste là. Il va foncer tout droit dans le précipice. Je veux tout mon fric tout de suite. Je veux pouvoir filer avant que les encoriens me... Carlo, va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est rien, juste un courant d'air. Là-bas. Je vais essayer. Essaye de passer par là sans te faire remarquer. Et va prévenir Pierre, là-haut, sur la piste. Moi, je vais tâcher de retarder ces bandits. Attends, passe-moi le turban, les lunettes et la fausse barbe. Bonne chance, Marielle. Oh ben ça, pour une plaisanterie, c'est une plaisanterie alors. Ouram Ivanov Paparazzi. Faux mage, faux journaliste et vrai homme de main des Nésiriens. Oh. Tiens, tiens. Oh. Un émetteur à ultrasons. C'est donc avec ça que... J'enfile mon déguisement et j'arrive. Oh. Faites vite, on a tout juste le temps de monter là-haut.
Nous allons assister dans quelques minutes à l'affrontement peut-être de cette descente homme, Pierre de la République d'Ancor, contre Hubert du Nez. Tu vas surveiller cette canaille de paparazzi. Je n'ai pas confiance. Ne laisse pas partir avant qu'il n'ait fini le travail. Comptez sur moi, princesse. S'il essaye de filer... Vous êtes super, monsieur paparazzi. Vous êtes sûr que l'émetteur fonctionne ? Ne le ratez pas. Et ne nous refais pas le coup du malaise. Concentre-toi. C'est la dernière fois qu'on court ensemble, Gringalet. Tu abandonnes la compète, Bébert. T'as raison, ça n'a jamais été ton truc. Non, c'est toi qui vas nous lâcher, Pierrot, et définitivement. Pauvre petit, c'est la dernière fois que je le vois vivant. Économise ton souffle, tu vas en avoir besoin. Ça suffit! Allez! Idiote! Tu lui as fait rater son départ! Il faut arrêter la course! Pierre est en danger de mort! Ce type va l'hypnotiser! C'est pas ridicule! Concentre-toi! Concentre-toi! Déguisé en fakir. Il faut absolument l'empêcher d'hypnotiser Pierre. Tu es folle. Attends. Je le vois, ton mec. Il est près du ravin, ton fond barbu. C'est là qu'il doit l'hypnotiser. Tu crois? Mais... il est avec Carlo. Qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux canailles? Ils veulent le tuer, l'envoyer dans le ravin. C'est sérieux, Ernest? C'est Isa qui m'envoie vous prévenir. Alors, il faut... Je vais bientôt être débarrassé de toi. Moi, je le raterai pas. Adieu, encore rien. À toi de jouer, Aldo. Mais qu'est-ce qu'il prend, elle a choix? Mais qu'est-ce que tu attends, imbécile? Vas-y! Pierre a dépassé l'endroit dangereux. Ah! Carlo et paparazzi se battent? Donne-moi la médaille. Non! Je vais t'apprendre.
Isa n'est pas là. Elle est restée au centre de... C'est pas paradis, c'est lui qui t'a hypnotisé, Pierre. Attention! Abracadabra! Isa! Plaisanterie, c'est une bonne plaisanterie, alors. Nouvelle médaille pour Pierre et pour l'équipe d'Encore, qui affirme chaque jour davantage sa suprématie sur les jeux. Pierre. Merci, mon Isa. Chapeau, vieux. Tu leur as montré que tu étais toujours le meilleur. Et tu sais, le plus important, c'est la concentration. Rires.